Salut. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en pleine émulsion. Et tu dois continuer ce que tu as commencé. Ça fait 5 ou 8 ans. Dieu agit par la foi. Salut. Tu agis par la foi. Tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Et là, commence à avoir du sens. Beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas confiance en votre intuition. Je suis là ce soir. Je ne suis pas là pour vous écouter. Donc, si tu as ta question, tu pars. Voilà. Vous devez apprendre à vous écouter. Vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas. Vous aimez les nouvelles des autres personnes là-dehors. Vous aimez dépendre d'autres personnes. Vous aimez qu'on vous porte. Le temps ne courra pas toujours. À un moment, ils vont s'arrêter. Je me rappelle. En 2019, j'ai un de mes mentors qui m'a dit que l'Afrique est en train de bouger. Et ce sont ceux qui vont sauter en Afrique qui vont changer les choses. Et ça fait 5 ans. En 5 ans, vous avez vu tellement de personnes, tellement d'États ont pris leur indépendance. Quand j'arrive au Cameroun, juin 2019, l'esprit me dit, agis. Crée une plateforme où les gens peuvent faire des formations en ligne. Août, septembre, octobre, novembre, je tarde, je tarde, je tarde. J'en parle à un ami. Je lui dis, investis, tu achètes les appareils. Février, mars. Quand le corona frappe, on n'était pas encore dans les formations. J'avais acheté tous mes appareils. Je commence à enregistrer chez moi. Mes enseignants me lâchent. Je laisse. Le monsieur en question m'appelle en août. Quand on est en plein dans.
le corona. Ma chérie, je m'en fous comment tu m'aimes. Je m'aime, ça c'est. Regarde, je m'aime. Voilà. Et il me dit, il y a de cela un an, tu m'as dit de faire mes formations, je mets en ligne. Tu ne t'es pas écouté. Si je t'avais écouté, c'est qu'actuellement en août 2020, je suis en train de devenir milliardaire. Il y a des choses qui sont, ils t'ont dit depuis un an. Tu tournes comme ça. On ne sait pas qui tu attends. Hein. Oui, je vais faire. Je vais faire. Je vais d'abord me marier. L'homme vient, il commence à fuir, tu le poursuis. Tu fais, je te fuis, tu me suis. Je te suis, tu me fuis. Tu es encore là. Si je ne me marie pas, moi je ne peux pas faire ce qu'on m'avait dit de faire. Je dois d'abord accoucher mes enfants. Je dois avoir mon passeport au Bordeaux. Je ne parle pas de vos rêves. Je m'en fous de vos rêves. Ok? Je m'en fous. Tu viens rigoler pour m'embêter, n'est-ce pas? La tête te bloque. Je pense que je suis en train de vouloir me coucher, on me donne un message pour vous. Je me connecte. Il est 23h19 dans ce pays. Au Cameroun, il est minuit 19. Tout ce que tu trouves à dire, c'est de venir m'embêter. Vous n'êtes même pas conscient. Dans votre tête, là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y en a parmi vous, on vous a parlé. On vous a parlé. Parlé. Vous attendez. On ne sait pas ce que vous attendez. Eux là, ils aiment quand ils parlent. Tu fais. Quand ils parlent, tu fais. Oui. Et beaucoup. Tout ce que je suis, c'est une image dans votre téléphone. Quand tu veux dormir, tu mets mes vidéos. Ça te baisse, tu dors jusqu'à... Le matin, là, même prends le sel pour mettre dans ton eau. Tu ne me prends pas. Tu es toujours au même endroit. Tu n'avances pas. Si tu m'aimes, je m'en fous. Je dis qu'elle ne te bloque pas. Depuis que tu m'écoutes, tu as changé quoi dans ta vie? Rien. Donc je ne te sers pas. Je ne veux rien faire de ton amour. Choisis une ou deux choses, ce qu'elle dit, tu mets en pratique. Vous croyez que je veux faire quoi avec ton amour? Je mange ton amour. L'amour me donne quoi? Vous êtes dans le confort de votre maison, vous attendez. Je veux d'abord me marier. Je veux d'abord avoir 3 enfants. Je veux d'abord aller au village rester un peu. Il y a toujours un truc que tu veux faire. Et vous aimez les distractions. Oh Seigneur, les distractions. Les problèmes qui n'ont pas de tête, ni de queue.
Souvent, on vient dans le rêve comme ça, on te dit quelque chose d'important. Non, tu es dans le rêve en train de courir après les mangues. Tu veux que tes ancêtres restent comme ça, tu dis que mais, la fille, c'est bête, comment? Tu poursuis les mangues. Après, tu te réveilles jusqu'à dire, hé, on a pris 5 mangues, on m'a donné une. Quand on dort là, quand vous fermez les yeux là, vous levez, vous partez. Et on check, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais dans le monde physique ici? Qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'on t'a dit de faire? Tu en as fait quoi? Oui, je sais, je voulais faire, mais j'ai d'abord préféré construire ma maison. Vous simplifiez. Vous savez comment c'est dur pour eux de se connecter à vous. Vous savez comment c'est dur. Prenez un peu ça au sérieux. Brenda, je vais te bloquer, tu as compris? Ne viens pas à 23h pour me... Je n'ai rien à foutre de tes choses. Vous aimez tout que parle-moi. Parle-moi. Ton cas est spécial. On va laisser les 1 milliard de personnes qu'il y a là, qui sont concernées, c'est sur toi qu'on va venir s'arrêter pour te parler. Je vais commencer à vous bloquer. Quand je me mets, je donne un message. Non, toi, tu ne veux pas savoir. Parle-moi. Le message qui concerne l'avenir de la terre. Ça t'est donné dans le rêve. Tu es paresseuse pour le porter, pour le sculpter, le façonner. Il s'agit des personnes qui seront comme des ouvriers au quotidien. Tu vois, beaucoup de personnes sur les barques, ils partent pêcher. Et ce sont ceux qui seront le plus disciplinés qui vont récolter. Et quand il y en a parmi vous, vous combattez dans l'autre monde, vous combattez ici. Et ici, ça vient sous forme d'incompréhension et de persécution. On ne vous comprend pas. Et le peu de choses que vous faites même, on vous opprime. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne va pas durer. Certains d'entre vous, ils ont besoin de votre calme. Tu restes dans un endroit où ça, tu es seul. Tu ne parles pas à quelqu'un toute la journée.
Il fait 14 heures. On te dit, tu dois faire ça, 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 ça. Tes guides ne se cassent pas. Ils ne discutent pas la place avec quelqu'un. C'est toi qui dois te demander, venir vers eux. Vous allez commencer à croire en vos super pouvoirs. Et souvent, tu vas rencontrer quelqu'un comme ça. C'est comme s'il te reconnaît. C'est comme si la personne que tu vas rencontrer dans la rue là connaîtra qui tu es. Et quand il va parler, ça va t'activer. Ton corps va faire un genre. Tu te dis, mais comment tu m'as reconnu? Parce que vous vous connaissiez dans une autre vie. Je ne suis pas en train de mettre la paix sur vous. Je ne mets pas la tranquillité. Ça, c'est laissez-moi ça. Ça, c'est les petites prières. Bonjour, Positivia. Ça, c'est les petites prières. Certains d'entre vous, vous devez lâcher. Laisser. Si c'est le boulot là, on te stresse au boulot, tu vas te compromettre pour être là-bas. Lâche prise. Tu ne tomberas pas. Hein. Et vous devez prendre conscience que les dons qu'il y a en toi depuis que tu as 5 ans. Je vous ai parlé de cette capacité que j'avais, cette vision. Parce que tous les mois, tous les 2-3 mois, je reste comme ça là. On me dit, cherche telle chose. Fais ça. Tu restes, c'est une idée qui ne fait que venir. Ça ne fait que venir. Comme quand tu es malade, non. Tu as envie de vomir. Tu sais que si tu vomis là, tu vas aller mieux. Mais tu as fait... Vomis, tu vas dormir après jusqu'à. N'attendez pas pour voir si ça a du sens. Mets un pion aujourd'hui. En attendant, tu ris. Tu manges la bonne nourriture. Tu fais l'amour. Tu écoutes du jazz. Une semaine plus tard, on te dit bouge maintenant. Tes instructions, c'est par intuition. Voilà, voilà une autre chose que je dois t'ajouter. Ne te focalise pas seulement sur les rêves. On te parle par plusieurs chemins. Allez écouter mes vidéos. J'en ai plein là. Parce que vous n'aimez pas écouter. Le temps est avancé. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne te concentre plus seulement sur les rêves. Parlez-moi à travers le rêve. Parlez-moi à travers le rêve. Tu peux avoir une idée qui ne veut pas partir. Ça peut être une intuition. Ça peut être une envie. Parce que vous êtes arrivé au niveau où vous, you're picking on people's energy. Tu arrives à détecter l'énergie des gens. Je suis arrivé à Abidjan, j'ai fait 6 semaines à l'étranger.
Je suis revenu à Abidjan. J'ai un ami, un de mes bons amis ici. Je me lève le matin. Ça fait 6 semaines, on ne s'est pas vu. Je pense à lui, je dis, il faut que je l'appelle. Dès que je l'appelle, il décroche, il dit non. Je lui dis, je suis à Abidjan. Il dit que ça ne fait même pas 10 minutes que j'ai pensé à toi. Parce qu'il est passé devant mon magasin, il a pensé à moi. Après, il s'est dit, ah, est-ce qu'elle est au Cameroun? Le soir, j'ai un de mes fils ici, là, il a 14, il a 15, 14 ans, bientôt 15 ans. Ça fait 6 semaines, je ne l'ai pas vu. Il reste. Et quand je suis arrivé hier, je vous assure, hier soir, l'esprit m'a dit, appelle-le. Appelle. Il me s'est dit, ah, je suis fatigué. Il m'écrit ce soir. Bonsoir, Tantine. Comment ça va? Tu es guidé à tout moment. Fais confiance en l'intuition que tu portes. N'attends pas le rêve. Quelqu'un peut, tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue. Il dit, ah oui, je venais même te voir. Oui, il te pose un problème. Vraiment, j'arrive pas. Et ça fait 3 semaines, on t'a dit de créer le business qui allait résoudre le problème là. Ça ne va plus t'arriver parfois. Ça va t'arriver maintenant très souvent. Vous devez devenir sensible et obéissant. Le mot souvent ne doit plus faire partie. Tu vas devenir de plus en plus clair dans ta vision et ton ouïe. Vous voulez dormir, allez dormir. Ne me dites plus bonne nuit. C'est quoi avez-vous? Bonne nuit, bonne nuit. Je mange votre bonne nuit. Voyez-les moi. Est-ce que tu peux couper 5 minutes de ton sommeil? Si on te met sur vidéo amusante de TikTok, là, tu vas rester jusqu'à 3 heures. Merci, Coco. Tu dois devenir super sensible. Quand on parle, tu te réveilles comme ça avec 5 heures, tu écoutes. Vous aurez les morts qui vont venir vous parler la nuit, le matin, très tôt le matin, 4-5 heures. Tu écoutes ta grand-mère, oui. Merci comme tu es venu me voir. Oui, mais si tu avais prévu de partir au week-end, le week-end, ça tombe. Vous avez besoin d'endurance. Parce qu'il y a des gens qui veulent vous décourager. Le combat est proche. Et ça n'a rien à voir avec. Je l'ai vu comme tel coach. Je l'ai vu comme ça. Ça n'a rien à voir. Le combat se passe dans les hautes sphères. Et les agents se connaissent. Bonsoir Sandy. C'est toi la reine qui enseigne souvent ici. Est-ce que c'est toi? Je ne sais pas. Bonsoir. Ça se passe dans les hautes sphères. Tu as l'impression de tourner en rond. Continue de tourner. OK? Bye. Ça se passe dans les hautes sphères. Et j'avais interviewé une fois les gens de l'UPC Mandem. C'est un parti politique pendant qu'il y avait la colonisation en 1960. Ils étaient très passionnés par des choses comme ça. C'était des personnes qu'ils se disaient qu'on va se retrouver ici dans 3 mois. OK? Bonsoir, Sandy. Dans 3 mois, on se retrouve ici. Ils se séparent. Dans 3 mois, si on a dit mardi, mardi à 14h30. Donc, quand le jour arrive déjà là, chacun, ça sonne. La personne se lève de là où il est. Il cherche seulement son chemin pour partir au point de rendez-vous. Si on doit courir derrière vous, comme quand tu partais dans les églises là,
Sister Jocelyn, why did you not come to church? Ne parle pas, tu as compris? Si on a tout poussé pour que tu viennes là, quand il y aura les vrais combats, tu vas faire comment? Regarde mes directs. Ne regarde pas mes directs. Tu as compris, chérie? Non, ils m'ont dit qu'il doit être gentil avec vous. Bon, ok. Ne regarde pas mes directs, hein, chérie. La bataille qui est devant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un plaisir à regarder les combats, les films de bataille ces derniers jours. Il y a un regard que j'ai regardé, la Viking de Valhalla, quelque chose comme ça. Sérieusement, quand ils partaient en bataille, c'est comme si j'étais devant eux pour battre avec eux. Vous devez avoir le sens du sacrifice. Je veux me marier. Je veux un homme qui va me faire l'amour. Lavez vos têtes. Ouais, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de les insulter. Je ne peux pas m'empêcher. Ils ne comprennent pas l'enjeu. Je vais partir en Europe. Je vais partir en Europe. Oh, excusez-moi. Oh, Seigneur, j'arrive pas. Je vais partir. Je vais avoir ma nationalité. Est-ce que ça, je vais avoir mes papiers? Oui, oui. Quand tu vas mourir là, papier là, tu vas partir avec. Pourtant, les personnes à qui tu es appelé, que tu es censé réveiller, ils sont en train de se perdre là dehors. Non, te voilà. Je veux un homme riche. Oui, 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 oui. Il y avait la Range Rover. C'est tout ce qui t'importe là-bas. Really? Quand on te parle des combats où il fallait sauver les orphelins. Comme on se couche là, vous pensez qu'on va dormir? Il y a des batailles à mener d'abord. Maintenant, te réveilles dans la journée. Il y a encore des batailles. Non, tout à part, tu veux les perruques. Tu veux la loose wig qui touche les fesses là. Oui, c'est ça que tu veux. Tout ce que tu touches ou que tu achètes ou que tu là où tu pars, ça doit être guidé. Guidé. Je ne sais pas, mais je sens que je dois partir à tel endroit. Je ne sais pas, mais je... Et on a besoin que tu t'isoles. Je prie pour vous comme ça parce que vous avez besoin de guérison. On est sur le champ de bataille. Et si vous n'êtes pas en forme, vous ne pouvez pas aller vous battre. Je ne vous guéris pas pour que vous vous mariez, pour avoir faire l'amour 50 fois par jour. Et il y en a parmi vous, vos guides sont violents. Tu te couches toi à côté de l'homme pour dormir, là, on vient te gifler la nuit. Aïe, 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 aïe. Notre vie, c'est qu'on a choisi, hein. Et que tu as même choisi, on t'a imposé. Tu faisais tout, ça ne marchait pas. Rien ne marchait dans ta vie. Jusqu'à tu dis que, ok, j'ai accepté. Nous, on doit vous convaincre. On t'avait giflé un jour. Parfois, on se demande pourquoi. C'est les nuits noires de l'âme que parfois, je ne comprends pas. Parfois, je crois que, ok, j'ai dit oui, non. Tout sera rose à partir de maintenant, non. Non. Prochaine nuit noire de l'âme. Prochaine nuit noire de l'âme, dans 2 semaines là, oui, dans 4 jours, tu te réveilles, combat, combat.
Quand tu finis maintenant, on te dit maintenant que oui, tu es allé acquérir un nouveau pouvoir. C'est pour ça qu'on te menaçait. Ça, tu as fait une semaine, ta tête voulait exploser. Il dit, mais changez même vos méthodes, non. C'est comment? Hein? Depuis là, vous n'avez pas upgrade le logiciel? Oui, dit Bidis. Logiciel, là, ça n'a pas changé. J'étais dans le live, j'ai parlé que ceux qui me doivent, ceux qui te doivent vont donner. Et tu as reçu de l'argent. Ah, mais voilà. Oui. Tu as cru, tu as reçu, c'est super. Il faut payer ta dîme maintenant. Quittez le physique, s'il vous plaît. C'est trop focalisé sur la chair. Trop focalisé sur la chair. Quand tu vois quelqu'un qui s'est décidé qu'elle veut servir là, pour toi, c'était « Oh my, oh, ok. » Le jour où j'ai compris, bonsoir Franck, le jour où j'ai compris, je suis quitté la France, j'ai laissé la France, je suis venu au Cameroun. Bon, je vais mourir de toutes les façons un jour, non? Oui. C'est moi en France où je meurs au Cameroun. C'est toujours la mort, non? Oui. Mais c'est mieux si je meurs en faisant ce que je pensais être ma vérité, non? Oui. Ok, je pars en Afrique. Ça veut dire que tous ceux qui tombent sur mes vidéos, c'est que c'est le moment. Juste en passant. Quand ce n'est pas le moment, vous ne pouvez pas tomber sur mes vidéos. Donc, ce n'est pas pour rien que tu m'écoutes ce soir. Et si tu ne m'écoutes pas, dans le rêve, là, ils vont venir te parler. Dans le rêve, là, ils vont venir. Oui. Ils vont te calculer dans le rêve, ne te dérange pas. Tu as une question, je ne prends pas moi les questions. Je me mets ici là, ce qu'on me dit, je vous dis. Ok? Quand ils voient quelqu'un qui cherche encore le travail là, ce sont les mots qui me montrent. Tu es encore au niveau 0 ou bien niveau moins 5. Oui. Voilà l'autre, j'ai vu une grosse araignée, ma petite s'est attirée, c'est bien. Tu as encore sur les araignées. Écrivez, je vais vous bloquer. On parle d'aller sauver une ville. Tu me parles de l'araignée. Hein? Ah, tu m'as vu dans ton rêve et je suis venue te frapper. Même j'ai une de mes filles là l'autre jour, non? Elle m'a vu dans le rêve. J'ai pris l'arbre de paix. Elle est fouettée avec ça comme ça. Elle s'est réveillée au matin, tout son corps faisait mal. Jusqu'elle a fait une journée dans le lit. Oui. Continuez toujours à faire comme si on parle, vous ne comprenez pas. Oui, j'ai vu l'araignée. J'ai tué. C'est bien. Vois le cancre là, tu le mets sur ton lit, vous dormez ensemble. Oh Seigneur. C'est l'appel qui m'a rendu comme ça. J'étais pas cynique comme ça là. Je suis devenue cynique. Je suis devenue ironique. Oui, prends le cancrelat, tu mets sur ton lit, vous dormez ensemble. Si elle fait pas ça sur TikTok, elle ne peut pas m'en sortir. Voyez vos questions là. Vous jouez trop avec les instructions qu'on vous a données. Voilà l'autre cas. Il y a un message pour moi. Hein? Tout va se passer maintenant en collectif. Tu n'es pas spécial pour qu'on prenne le message juste pour toi, on vient te donner. J'ai rêvé que j'ai. Je suis en train de couper les lectures individuelles que je vous faisais. Si elle lit, ça te plaît, tu me fais le don. Tu ne veux pas faire, tu laisses. Je ne lis plus personne personnellement. Je ne consulte plus personne personnellement. On vous consulte après là, vous faites toujours des conneries. Tu te laves avec le sel? Non, je vais te parler. Donc, tout ce qu'il raconte sur ma page, là, tu écoutes même ça depuis? Non, mais je vais te parler. Tu n'es pas conscient? Il faut laisser tes bêtises.
fille. Vous aimez quand on vous nourrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jesus. Ça veut dire quoi? Il y aura de moins en moins de lectures individuelles. Parce que le collectif est en train de bouger. On est en train de migrer ensemble. Il y a beaucoup de choses que quand elle parle, tu restes en train de dire que oui, je pensais à ça dans la journée. Oui, c'est. Parce que l'enseignement, vous en France, États-Unis, partout là, les vrais sont en train de se connecter. L'arrêt officiel, je vais te bloquer, j'arrive, go, sort. Attends-moi, j'arrive, je vais te bloquer. Te lave avec le sel, ça ne change pas. Mais tu arrêtes. Qui t'a forcé? Qui prend le sel pour mettre à ton nom? C'est toi, non? Voilà. J'arrive, attends-moi, j'arrive, je vais te bloquer. Tu restes, on te dit à 2 heures. Lève-toi, tu prends le sel, tu verses dans le coin gauche de ta chambre. Tu dors, tu ouvres la bouche. Fais le bain de pipi le matin, si. Non, te voilà sur le lit. J'ai rêvé que je faisais le bain de pipi. Hein. C'était sucré jusqu'à. Tu as alors fait. Ah, la mère la dérange. Qui va sentir le pipi dans la journée? Alors qu'il y avait une attaque qu'on t'a envoyée. Il y avait une flèche qu'on t'a envoyée à 3h30. C'est le pipi là qui allait nettoyer ça. N'est pas, je suis bête. N'est-ce pas, je n'ai rien à faire, n'est-ce pas? Je prends le téléphone, c'est sur mon lit là, je ne fais rien. Continuez. Tu es tombé amoureux de moi. On fait quoi avec l'amour? On est dragué les gens avec les sans-agents. Qui là-bas? Je suis tombé amoureux de toi. Faut te relever. Tu nettoies la partie où tu t'es fait mal là, tu continues. Quand ton bon se lève. Tu m'écoutes depuis décembre, tu veux me rencontrer. Georges, tu as d'abord le nom de mon ex. Donc quand tu viens, tu me dis que belle coiffure. Après tu vas commencer à dire que ne me parle pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup. Et on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous voyez les pays, l'Afrique est en train de se libérer. L'Afrique est en train de se libérer. Et on fait ça et pays par pays. Tu peux être là-bas au Congo, RDC, tout ça là. Tu quittes de là, tu pars dans un autre pays, la nuit. Vous allez là-bas, vous travaillez. Vous libérez le pays là. Après, mois prochain, ou bien 2 mois plus tard, vous partez dans notre pays. Attendez, j'enlève un dragueur ici. Là. Quoi que je mange ces paroles. Je mange le chocolat, monsieur. Je mange le parmigiano, reggiano. Et vous êtes là. L'Afrique est en train de se libérer. Il y en a parmi vous, vous ne savez même pas que vous êtes en tête de file. Votre rôle dans cette bataille est énorme. Non, tu veux seulement. Je veux mes 2 enfants. Oui, on a essayé de concevoir les 2 derniers mois là. Quand j'ai vu mes règles, j'ai pleuré jusqu'à. Voilà tout ce qui t'importe dans ta vie. Tu vas avoir tes règles. Pour avoir l'enfant. N'est-ce pas? Ok, continue. Bon, est terminé. On m'appelle. On n'a pas tous le même niveau spirituel. Anise. Je te bloque. Réponds toi-même. Est-ce que vous savez que le niveau spirituel, ce n'est pas en fonction de ce que tu as appris?
On grandit spirituellement à l'intérieur de soi. Et beaucoup d'entre vous, vous avez commencé votre marche avant de tomber sur ma page. Je vous fais vous comprendre. Quand tu seras prêt, tu vas quitter Mbeng, tu vas venir t'asseoir ici là au Cameroun ou à Abidjan ou bien. Tu vas quitter là-bas seul, plier tes bagages. Venir, ouvrir un centre de je ne sais quoi. Seul, quand tu seras prêt. Je dis bien, vous avez commencé votre marche spirituelle avant de tomber sur ma page. Donc si tu attends que c'est moi qui vais t'ouvrir, tarnon, laisse, oublie. Ce n'est pas ici que tu vas trouver ça. Je n'aime pas la faiblesse spirituelle. Parce qu'on vous dit, il y a des gens qui sont tombés sur ma page. Toutes les instructions qu'elle donnait là, elle te dit en un mois, est-ce fidèlement, elle se lave au sel. Papa, elle fait taxe, ça débloque niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tu lui parles après un mois parce qu'elle était prête. Et elle avait la volonté. Si tu ne peux pas obéir aux petites choses, vous croyez qu'on vous demande de vous laver au sel, pourquoi? Tu crois que c'est le sel qui fait quelque chose? Tu dois être prompt à l'obéissance et tu dois être discipliné. Point barre. Tatarara, il n'y a rien d'autre à dire. Continuez. Un seul mot, continuez, comme disait notre président. Tu vois, elle a quitté les États-Unis pour son élévation. Je n'aime pas le mot aide-moi. Quitte-tu ma page. Quitte-tu ma page. Aide-moi. Vous pensez que votre solution est dans une autre personne. Discipline. Non, je me lave au sel une fois par mois. La dernière fois, c'était quand? Bon, c'était au mois de novembre. Et nous sommes en mars. Hein? Tu te mens à toi-même. Qu'on va te parler la nuit, que lève-toi, tu fais comme ça. Et les agents de lumière, dans le spirituel, il te suffit de dire seulement, tu te lèves à 2 heures. Un jour, c'était en 2012. J'étais encore dans ma perdition. J'étais avec un dragueur là, que je voulais ses papiers. Donc, je faisais semblant comme si elle aimait. Je vous ai parlé de mon ancienne vie. Donc, il faut laisser. Oui. Donc, je n'ai même pas la sainte ni touche, quoi que ce soit. Donc, voilà, je dors. 2012, je me lève pour aller faire pipi. Une voix me dit, prie pour telle personne de ta famille. J'ai dit, ah. Dans le sommeil, oui, je déclare qu'il est protégé. Maman, la prière n'avait pas fait plus de 5 secondes. Et pas moi pisser ma chose, je reviens me coucher d'eau. Le lendemain, vers 12 heures, et j'ai oublié la prière. Le lendemain, vers 12 heures, une personne, ma famille m'appelle. Est-ce que tu sais que telle personne, la personne pour qui j'ai pris la nuit, a fait l'accident? C'était vers 7h30, 8h. Sa voiture est entrée en bas du camion. Il est sorti avec une égratignure ici. Rien d'autre. La voiture est irrécupérable. Broyée de tous les côtés. Jusqu'aujourd'hui, j'ai ça dans mon esprit. Ça fait 12 ans. Et je n'ai même pas osé dire à quelqu'un de ma famille que j'avais, qu'on m'avait dit, ça va paraître bête. Parce qu'on va, est-ce que tu allais prier pour lui pendant 2 heures de temps? Est-ce que tu allais prier pour lui pendant... Non, je n'ai pas prié 2 heures de temps. Il m'a dit un mot, non. Non, c'est que ce n'est pas ta prière qui a fait. Non, il m'a dit que déclare ça sur lui. Non, oui, j'ai parlé. Que voilà, je déclare que telle personne est protégée, point. Je suis convaincu jusqu'aujourd'hui que c'est la prière là qu'on a portée pour aller l'aider avec. Imaginons, j'étais avec un chocolat la nuit là, et que c'est à 2 heures qu'il voulait faire le 5e round. Tous ceux qui me contactent, c'est seulement pour qu'ils travaillent sur vous à distance. Ok? Boy ou non? Vous avez suivi, non? Vous contactez le standard là-bas, vous décrivez. Mes assistants vont vous répondre. Vous envoyez l'argent, vous envoyez la photo. Je travaille, je finis le travail, je vous envoie. Votre truc. Soit parfois il fait la photo, parfois il fait la vidéo. Parfois, je filme seulement la photo pour te montrer que j'ai travaillé. Mais ne te montre pas mon travail. Parfois. Voilà l'autre alors. C'est tout le monde qui est destiné à rentrer au pays une fois qu'on a accepté. Ma passe était au pays, non. Peut-être ta passe en Chine, je ne connais pas.
Georges, je ne veux plus les amis qui s'appellent Georges. Laisse-moi. Voilà. Tu dois écouter plus ce qu'ils te disent. Écoute beaucoup ton intuition. Beaucoup d'entre vous, vous communiquez avec l'esprit à travers les idées. Les idées. Je ne sais pas, mais j'ai envie de... Ton ça là, à part faire l'amour, bien sûr. Pas que j'ai envie de... Tous les 5 minutes, tu veux faire l'amour. Hein. J'ai envie de... Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai envie de partir faire mes courses plutôt à tel endroit. Va là où tu as envie de partir, là. Georges, je... Attends, je te bloque, papa. Parfois, il n'aime plus trop bloquer les gens, mais bon. Je crois que tu m'obliges à te bloquer. Pas de distraction, il faut me laisser. Tu vas me donner quel plantain qu'elle n'a pas encore mangé. Yama, tu as parlé de ta. Il est parti, il est chassé. Il y a les gens qu'on ne conseille pas sur cette terre. Tu parles n'importe comment, ils croient qu'il est faux. Donc, écoutez beaucoup votre intuition. Et quand tu sais que c'est ton intuition, c'est quelque chose qui te... Je sais pas, j'ai envie de... Oui, je veux les croissants. Oui, on va les croissants là chez Paul qui est à 3 quartiers là. Oui, c'est ça que je veux. Ah, c'est Libreville. Lève-toi, tu peux acheter croissant là-bas. Mm-hmm. En route là, tu peux tomber sur quelqu'un qui avait perdu ton numéro de téléphone depuis 4 ans. Écoutez beaucoup votre intuition. Parce que toi, tu n'es pas le genre de prophète que tu vas rester, tu vas prier pendant 3 heures de temps. Mais les ancêtres savent que si on vient là, si on apparaît à côté d'elle, un oiseau vient se poser sur la fenêtre. Tac, elle va prêter attention. Tac, elle va dire, mais qu'est-ce que vous me dites? Tac, elle va vouloir agir. Alors que toi, tu es là. Ah, les oiseaux, il faut qu'on enlève le nid qui est sur la clim là. Hein. Pourquoi ils sont sur la fenêtre là-bas? Chasse-les. Chasse-les. Alors qu'on est en train de te parler. On est en train de te parler. C'est ça, Sandy. Et ne demandez pas toujours forcément l'interprétation d'une autre personne. Parce que ça te parle d'abord à toi-même. Toi-même. Quand tu te réveilles le matin, ne te précipite pas pour demander qu'on interprète ton rêve. Vois toi-même à quoi ton rêve ressemble. Que c'est quoi que ça me disait. J'ai un ami, on communique énormément. Lui, il voit. Ce n'est qu'avec ce genre de personnes que parfois je suis à l'aise. Donc, souvent, on bavarde, on fait des commentaires, là, là, là. Et lui, sa façon de voir est différente de la mienne. Moi, là, idée sur moi. Évidemment, les gens qui sont du signe de l'eau, c'est comme ça. Idée, là. Puis j'ai envie de... Allons là-bas plutôt. Parfois, on est en train de partir, on arrive devant. Je fais comme il faut m'enceinte. Quand on est en train d'arriver, une voix me dit que changez, partez plutôt de l'autre côté là-bas. Il dit encore que ouais, changeons. Donc si tu es mon employé, tu n'es pas patient. Tu vas croire que j'ai des dangers. Et par contre, lui, on va s'en séparer, me dit, j'ai eu une vision, j'ai vu. Moi, je veux plutôt dire que non, allons faire comme ça. Et le genre que ça me prend, hein, je suis en train de faire. Je ne parle pas. Ah, tu me trouves que je suis en train d'aller faire. Je pense que ça, c'est l'un des... J'ai beaucoup prié pour qu'on mette ça en moi plutôt. Que mon ange, ce soit un ange faiseur, pas un ange bavardeur. Je n'aime pas les anges bavardeurs. Oui, on va faire ça bientôt. Oui, on va faire comme ça là. Oui, on fera. Ange faiseur. Dites bien, Seigneur, donne-moi les anges faiseurs. Franchement, on est en train de m'appeler. Je suis là dans 2 pays là où je suis là. Je suis là dans 2 pays. J'entends les voix. Ils sont en train de me dire, viens, je vous assure.
Il y a au moins, je suis en train de visiter au moins deux pays là. Vous répète, pardon. Le devoir m'appelle. I'm on duty tonight. Faut qu'on aille bosser. Faites toujours confiance que le bon moment va vous donner le bon message. Ça, c'est la clé. Le bon moment. Donc si tu as écouté le message, si ça t'a résonné là, c'est ça qui se passe actuellement. Et je vous dis toujours, je ne me mets pas ici pour faire la vidéo pour vos beaux yeux. Je ne vois même pas d'abord vos yeux. Je suis allée faire, je me suis lavée. J'ai mis mon peignoir. J'avais encore deux trucs à faire au salon là-bas avant de dormir. On me dit, mets le direct maintenant. Ça fait combien de temps que je n'ai pas fait le direct la nuit comme ça? Vous avez besoin de ça pour aller dormir maintenant. Vous avez besoin de ça pour le sommeil là, pour dormir. Donc je vais continuer l'enseignement dans votre sommeil. Je vais venir dans votre sommeil encore continuer. Croyez-moi, vous allez me voir. Soit vous allez me voir, vous allez oublier. Parce que souvent là, on enlève votre mémoire. Bon bye, bonne vie. Bonne vie. Belle vie. Ceux qui veulent le lavage à distance, le numéro est dans la bio. Le lavage à distance, c'est 50 000. Ça, c'est le travail sur vous. Et pour les kits, le numéro est dans la bio aussi. Bon, bonne vie, bonne nuit. Bye, bye, bye.